Le système de portage Mobility a nécessité plus de 2 années de recherche. À l'origine de ce concept, nous avons voulu répondre à une des problématiques majeures du portage. Comment obtenir un report de charge efficace tout en préservant la liberté de mouvement? Pour le bureau d'études Millet, la solution technique devait répondre à 3 caractéristiques essentielles: fiabilité, efficacité, simplicité. Tout au long du développement, les prototypes se sont succédés et ont été améliorés jusqu'à obtenir la solution. En positionnant l'axe de rotation de la ceinture au-dessus des lombaires, on obtient une mobilité proche du mouvement naturel du dos. Cette liberté de mouvement se traduit alors par 2 effets majeurs. Plus de stabilité du sac sur le dos, moins de contraintes sur les vertèbres et plus de confort. Il restait à valider notre concept par un test objectif. Nous avons donc fait appel au Mountain Lab, qui a mis en place un protocole scientifique permettant de mettre en évidence l'apport du système Mobility sur le terrain. Donc ce matin, on est parti avec 6 testeurs, sachant qu'il y en a également 6 cet après-midi. Ouais. 12 au total. Et donc, on leur fait faire un parcours assez varié, avec une première partie plutôt joueuse, plutôt technique, avec des passages de blocs. Une deuxième partie, on va plutôt chercher du dénivelé ascendant. Une dernière partie qui est plutôt descendante. L'idée, c'est de répéter ce parcours 3 fois, donc une fois avec chaque sac. Alors on a, donc comme tu l'as dit, le sac Axpel avec sa ceinture telle qu'elle doit l'être. Le sac Axpel avec la ceinture totalement bloquée. D'accord. Donc il n'y a aucune liberté de mouvement. Ouais, d'accord. Et un sac concurrent qui dispose également d'une ceinture pivotante. Voilà, et ce qui est important, c'est qu'on a fait en sorte que les sacs soient masqués pour qu'il n'y ait pas d'influence de la marque, de la couleur, et donc pour ne pas biaiser la perception des testeurs. Et donc à l'issue de chaque partie, la partie technique, la partie montante et la partie descendante, chaque testeur remplit un questionnaire qui est plutôt orienté sur des critères subjectifs, donc de perception de l'effort, de perception de la liberté de mouvement, de perception de la stabilité du sac et de perception du confort du sac. Chaque testeur à chaque fois aura ce questionnaire à remplir pour chaque sac, pour chaque boucle. Et pour compléter, sachez qu'il y a également un critère objectif qui est la mesure de la fréquence cardiaque. Et donc on voit comment cette fréquence cardiaque évolue au cours du test et en fonction du sac à dos testé. Et au niveau du questionnaire, alors comment tu l'as construit? Alors il est construit avec principalement 2 échelles. La première, c'est l'échelle de Borg, une échelle de l'effort perçu qui est indexée sur la fréquence cardiaque. Elle va de 6 à 20. Sachant que ce sont des scores donc, de perception de l'effort, et le testeur vient cocher le score correspondant à ce qu'il estime être son effort au moment de la prise de mesure. Moi, je trouve vachement intéressant de bosser avec l'IFREMONT, c'est qu'ils ont vraiment cette compétence au niveau du test, de la mise en place d'un test qui est scientifique réellement. Et nous, ça nous permet en tant que fabricants de confronter notre concept à un protocole de test rigoureux, et de se faire des convictions, des réelles convictions sur la pertinence de notre concept, quoi. Okay. C'est vraiment super important. Cette pertinence scientifique et le côté carré de nos tests, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en valeur. On veut quelque part essayer de faire une transposition de ce qui se fait en médecine à ce qui se fait au développement de produits et de produits outdoor. C'est le premier test qu'on lance, donc avec Millet, dans le cadre de notre projet qu'on a appelé le Mountain Lab.